Alors, moi, j'ai suivi à l'IESA les formations métiers des agricultures entre 2003 et 2006. Donc, pendant mes années à l'IESA, j'ai effectué un stage à la galerie Françoise Pavio, qui est une grande galerie de photographie à Paris, donc qui est gérée par Françoise et son mari Alain, qui était Françoise Pavio était aussi ma marraine professionnelle à l'IESA. Et j'ai effectué aussi, grâce à elle, un stage au Musée français de la photographie à Bièvre, hein, qui m'a ouvert les portes aussi de tout ce qui est médiation et numérique. Donc pendant mes années à l'IESA, mon projet Grandeur Réelle a été la mise en place d'une exposition photographique après un concours photo international à la Galerie d'art de Villeneuve-sur-Yonne, qui a ensuite été une autre exposition à Paris. L'IESA m'a apporté énormément dans ma vie professionnelle, notamment grâce à des cours donnés par des professionnels qui donnent vraiment une vision très claire de la vie professionnelle, des cas pratiques, et aussi énormément de choses par rapport au projet Grandeur Réelle, notamment sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie active et trouver des solutions pour en sortir. Aujourd'hui, je suis responsable numérique à Paris Musée, donc je m'occupe de la médiation numérique de 14 musées de la ville de Paris, aussi bien dans les applications mobiles que dans les bornes interactives, dans les expositions, les sites internet, notamment le site internet des collections, donc le portail des collections à Paris Musée.